Bonjour et bienvenue pour notre nouvel épisode de la survie du week-end sur The Long Dark, qui est dorénavant modé. Donc cet épisode va être un peu spécial, ça va être une sorte de mise à niveau par rapport au mode. Je vais vous expliquer un peu comment il fonctionne, ce qui va changer, etc. Vous faire peut-être une petite démonstration de sans les modes et avec les modes pour certaines choses. Et voilà, donc cet épisode va se concentrer sur ça et après bien sûr on continuera notre petite aventure. Donc pour rappel, notre aventure en fait future était de faire un peu le tour du lac mystère, trouver un élan potentiellement, récupérer sa peau, peut-être faire le sac en fait. Puis après aller à l'autoroute côtière, site de désolation, puis finir par le canyon descente pour récupérer les crampons et le super sac et après faire toute la map en gros. Donc c'est ce qu'on voulait faire. Mais pour le moment c'est en pause, donc on va devoir faire cette petite mise à niveau et vous expliquer ce qui va se passer dorénavant avec les modes. Oh, il y a une lampe, c'est marrant ça. Donc je vais vous expliquer ça dans cet épisode. Donc déjà nous avons des nouveaux crafts aussi, vous avez vu que la lumière bien sûr est allumée. Nous avons des petits nouveaux crafts, des petites statuettes, pas grand chose. Et nous avons aussi des gourdes maintenant. Et je vais vous expliquer en fait comment fonctionne l'eau. Mais avant ça, je vais vous expliquer par rapport à la luminosité de The Long Dark. Donc maintenant, je vais arrêter en gros d'éditer en fait la luminosité des vidéos par rapport à cette survie. Parce que c'est vrai qu'elle était un peu chiante vu que c'est toujours dans le noir et tout ça. Mais elle devrait beaucoup mieux se passer avec les modes. Donc je vais vous expliquer ça. Donc nous allons éteindre la lumière. Tout simplement. Donc nous allons vous montrer le jeu normal. Donc ça c'est le jeu normal sans mode. Donc vous voyez que c'est complètement noir. C'est extrêmement en fait frustrant et embêtant pour moi pour vous montrer des vidéos. Je suis obligé d'augmenter les gammas etc. pour que vous ayez une certaine vue, que ça soit pas genre noir, hein, on est d'accord. Sinon c'est un peu embêtant à regarder. Et après j'essaye toujours d'utiliser des sources de lumière, hein, évidemment, si c'est des nouveaux bâtiments et tout ça. Mais c'est vrai que quand je rentre, par exemple pour aller dormir, je ne vais pas utiliser de la lumière, c'est du consommer en fait du carburant pour rien évidemment. Maintenant nous avons un mode qui fait ça. Donc poup. Voilà, donc maintenant nous avons une luminosité un peu plus globale par rapport à tous les bâtiments de The Long Dark. Et normalement vous devriez distinguer les choses. Donc je vais, comme j'ai dit, je ne vais pas augmenter la luminosité. Je vais laisser bien sûr en 4K pour augmenter la qualité de la vidéo évidemment, parce que ça c'est quand même plutôt sympa. Mais vous voyez que maintenant vous voyez le fond, c'est pas simplement noir. Donc encore une fois, sans le mode, complètement noir, et avec le mode. Donc vous distinguez ce qu'il y a sur le comptoir, vous distinguez les choses, donc voilà, ça c'est bien. En parlant de luminosité, nous avons aussi maintenant donc les lampes qui fonctionnent dans tous les bâtiments. Alors je dois dire que ce mode est peut-être un tout petit peu OP, c'est-à-dire qu'en fait il vous permet de crafter les choses aussi. C'est comme s'il y avait une aurore boréale, je vous ai déjà expliqué comment ça fonctionnait. S'il y a une aurore boréale, la lumière fonctionne et vous pouvez crafter, c'est comme si c'était en plein jour. Mais du coup ça fait la même chose. Alors, je ne vais pas, on va dire, abuser de ce mode-là, mais c'est surtout pour vous, en fait, tout simplement. C'est surtout pour vous donner une meilleure vue, par exemple, parce que vous voyez quand même qu'il y a une très très bonne ambiance si vous avez la lumière qui est allumée en pleine nuit. Donc ça, je vais le garder surtout pour, voilà, pour que ça soit plus sympathique, plus classe, qu'il y ait une meilleure ambiance pour regarder ce genre de vidéo avec cette customisation, en fait, avec la nuit infinie de The Long Dark. Donc je pense que ça va être pas mal. Après, alors, je vais vous montrer maintenant par rapport à l'eau, vite fait. Alors, je vais vite, hein, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Et surtout, c'est qu'on doit retourner à Milton. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Je parle pendant qu'il y a la tempête, donc après, la tempête va sûrement partir dans un moment. On verra, on va dormir quelques heures, on verra ça. Donc maintenant, les eaux, en fait, l'eau ne va plus, en fait, créer de l'eau ne va plus, comme par magie, créer des bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau, maintenant, sont des vrais objets, c'est-à-dire qu'une fois que les bouteilles sont vides, la bouteille, en fait, va rester dans votre inventaire. Et si vous n'avez pas de... On va manger aussi. Si vous n'avez pas, en fait, de récipient, vous n'allez pas pouvoir porter l'eau. Donc je vais vous montrer, on va la vider complètement. J'espère que ça l'a vidé. Ok, parfait. Vous voyez qu'elle est un peu plus claire. Celle-là, elle est un peu plus foncée. Donc celle-là, elle est complètement vide, mais vous voyez qu'elle reste encore dans l'inventaire. Donc ça, c'est devenu maintenant un récipient pour eau. C'est une bouteille d'eau, toute simple. Donc elle peut contenir 500 ml d'eau. Et celle-là, elles peuvent contenir 1 litre d'eau. Donc on a des moyennes et des grandes bouteilles. Donc je vais la déposer. Donc voilà. Après le reste, je vais les garder sur moi. Donc voilà, maintenant nous avons, voilà, un système de bouteilles en fait plein et vide.
Et du coup, si vous n'avez pas de récipient, vous ne pouvez pas transporter l'eau. Donc là, ça devient très très intéressant. Et il va falloir faire très attention. On va aussi en profiter pour donc crafter notre water skin. Donc c'est une gourde avec 4 pots de lapin séché et 3 boyaux. Et elle peut contenir 3 litres d'eau. Donc cette gourde, on va l'utiliser en fait pour faire notre... 1, 2, 3, 4... pour faire nos expéditions en gros. 1, 2, 3. Ok, très bien. On va pas pouvoir partir sans eau. On va faire ça. On va pas pouvoir en fait partir sans eau et la faire en plein milieu de la forêt et tout ça. Et créer de l'eau par magie. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant il va falloir avoir un récipient. Et si on n'a pas la gourde par exemple sur nous, on va pas pouvoir remplir la gourde. On va pas pouvoir garder l'eau sur nous. On va pas pouvoir se balader quoi tout simplement. Donc ça aussi ça va changer. Et il y a d'autres choses aussi qui changent. Et c'est pour ça qu'on va devoir aller à Milton. Retourner à Milton. C'est par rapport aux lampes. On peut maintenant les vider en fait. Tous les récipients qui ont du fuel, donc jerrycan et tout ça, on va pouvoir les transférer les uns dans les autres. Et du coup, ce qui va être en fait vachement bien pour nous, c'est que nous, vu qu'on a besoin de carburant pour allumer les lampes, on va pouvoir aller donc récupérer notre jerrycan et tout mettre dans le jerrycan, celui qu'on a laissé en fait à Milton. Donc voilà, ça c'est vraiment vraiment bien. Donc on va devoir retourner à Milton pour récupérer ce super jerrycan qui est maintenant devenu très 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 intéressant. Et encore une fois, pareil, le jerrycan quand il sera vide, il va rester dans votre inventaire et vous allez pouvoir le remplir. Donc voilà, il y a ça. Alors après, j'ai voulu faire un petit extra. Je me suis rajouté une lampe de poche. La lampe de poche ne va pas vraiment être contrôlée, genre pour rendre la survie facile. Donc comme j'ai dit, cette survie, elle est un peu spéciale parce qu'elle est customisée et tout ça. Donc c'est pas vraiment pour rendre la survie facile, mais c'est peut-être pour le côté ambiance avec lampe de torche quand il y a une aurore boréale et tout ça. Ça crée quelque chose. Ça crée une ambiance un peu horreur que j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment avoir la lampe de torche. La lampe de poche. On verra ça plus tard quand il fera nuit avec une aurore boréale. Mais voilà, déjà j'ai rajouté ça. Donc je vais déposer quelques objets et qu'on soit prêt pour aller à Milton. Pour pas qu'on soit trop lourd, on va déposer les livres parce qu'on n'a rien à faire pour le moment. Ça on va le garder, les vêtements c'est bon, ça c'est bon, le bois. Ok, très bien. Et pour le moment c'est très bien. Nous allons peut-être jeter ça. Ok, très bien. Voilà, nous sommes bons. On va dormir peut-être une petite heure, l'histoire que la tempête s'arrête vraiment, parce que je l'entends encore là, donc je pense qu'elle est encore en ce moment. Donc vous voyez qu'il y a plein de petites choses en fait qui vont changer comme ça. Et pendant qu'on est sur le chemin pour aller à Milton, je vais vous montrer les choses, je vais vous expliquer un peu comment ça va changer, comment ça va évoluer surtout. Ah, et je pense que ces mods sont vraiment, vraiment bien. J'entends encore la tempête. Il y a une chose aussi assez intéressante, c'est que maintenant on va pouvoir détruire en fait tout ce qui est décoration comme ça, qui est... c'est plutôt débris en fait, qui reste dans le jeu, qu'on peut pas bouger. Donc par exemple là on va pouvoir complètement vider l'étagère. Là pareil, on va pouvoir enlever le bol, on va pouvoir enlever les pots de peinture, les trucs qui sont complètement par terre et tout ça. Et aussi, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de facilité en fait pour décorer les choses. Qu'on peut passer à travers, on peut les faire monter, les faire descendre et tout ça. Donc je vais vous montrer tout ça. Et je pense qu'entre deux épisodes, à chaque fois je vais décorer en fait l'intérieur. Et vous verrez, ça sera cool. Je ferai comme, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, ça sera sûrement comme Fallout 4 à l'époque, où je décorais mes villes, je faisais ça en fait, je passais des heures à faire ça. Et c'était vraiment vraiment stylé, j'aimais beaucoup faire ça. Donc maintenant, The Long Dark est vraiment devenu assez profond par rapport à la décoration et tout ça. Donc ça va être cool. On est à 25 kilos, je crois qu'on va partir, on va voir un peu le temps qu'il fait. Donc voilà, il y a ça qui va changer. Le feu aussi, le feu va changer, donc maintenant on peut utiliser par exemple... niveau, on a combien, 4, ouais, c'est bon, allez on y va. On va aussi pouvoir utiliser la lampe en fait pour faire du feu dorénavant. Alors faut comprendre comment la lampe fonctionne, c'est à dire que non, ça va, on a le revolver et tout, on est bon. C'est que quand on prend la lampe, vous avez le mécanisme en fait, la pierre à l'intérieur
pour allumer la lampe. Donc quand ça fait ça, le clac-clac. Et c'est ça que vous allez utiliser. Donc personnellement, moi j'ai changé les options du mode, hein, parce qu'on peut le faire. Encore une fois, toutes les vidéos par rapport au mode sont dans la description, donc allez voir la playlist en fait si vous êtes intéressé par ça. Et excusez-moi, je parle beaucoup, donc je commence à perdre ma voix déjà. Et du coup, si on prend par exemple le Fire Steel perd 2% quand on utilise le Fire Steel pour faire du feu. Et j'ai fait en sorte que la lampe en fait s'abîme de 3%. Donc une fois qu'elle est à 0%, on ne pourra plus l'utiliser pour faire du feu. Donc il va falloir la réparer. Parce que je vous rappelle que les lampes, on peut les réparer. Ça sert strictement à rien dans le jeu Vanilla de réparer les lampes. Parce qu'une lampe qui a 1% ou une lampe qui a 100% s'allumera toujours. Hein. Donc on est d'accord pour ça, ça sert strictement à rien. Mais maintenant, ça a donné... C'est quoi ça qui est devant moi ? Ah, c'est juste un bout de bois par terre. Mais maintenant, ça a donné en fait une logique pour réparer les lampes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Donc comme j'ai dit, on va aller d'abord à la cabane du trappeur. Puis après, on va aller directement à Milton. J'ai peut-être pas pris le meilleur chemin. Mais... j'ai peur qu'on s'abîme. J'ai vraiment pas pris le meilleur chemin en fait. Dans tous les cas, je sens qu'on va se fouler la cheville. Donc il y a ça par rapport à allumer les feux. Et bien sûr, les pourcentages en fait sont très bas. On va dire que par exemple, si on compare à une allumette, allumette ça va vous donner genre 60% je crois quand on est niveau 1 pour allumer les feux. Mais la lampe va être genre 40%. Donc encore une fois, c'est pas overpower, c'est pas OP, c'est rien du tout. Ça va pas être plus simple que d'habitude. J'ai préféré faire ça. On a deux loups. Il y en avait même un qui nous coursait depuis tout à l'heure apparemment. Faire attention à ça. Je parle beaucoup, je les entends pas honnêtement. Je les ai pas du tout entendus. On va aller dormir à la cabane. On a perdu un peu de vie, c'est pas grave. Donc voilà, il y a ça. Après, en parlant de feu, vous savez, donc les fagotins. Les fagotins servent à créer des feux. Donc c'est du petit bois, en fait. Le truc, c'est que les fagotins, une fois que vous êtes niveau 3, vous n'en avez plus besoin. Pourquoi ? Parce que vous pouvez créer, en fait, des feux sans petit bois. Hop, hop. Ah, très bien, on a toujours le loup derrière nous. Donc du coup, ça devient inutile. Moi, j'ai fait en sorte, donc il y a un mode, en fait... qui vous permet d'utiliser les fagotins en feu, en fait, comme des petits bâtons à balancer dans le feu. Alors moi j'ai fait en sorte que... Saloperie de... Moi j'ai fait en sorte que ces fagotins en fait durent pas très longtemps, c'est-à-dire que par exemple un bâton va vous augmenter le feu de à peu près, je crois, c'est 8 minutes. Le fagotin va être 4 minutes. Par contre, vu que c'est un... le fagotin, c'est un petit bois, en fait, pour faire des feux. Il va brûler très fort, c'est-à-dire que... Il va brûler très fort, donc il va beaucoup rajouter... En fait, il va rajouter beaucoup de chaleur. Ah oui, on a les faitous aussi, ici. Il va rajouter beaucoup de chaleur. Je crois pas qu'il y ait de la lumière, ici. Par rapport à un petit bâton. Le petit bâton, c'est, par exemple, 1 degré quand vous foutez un bâton dans le feu. Mais par contre, le fagotin va être de 3 degrés, vous voyez. Donc j'essaye de balancer les choses pour vraiment donner une utilité en fait à tous les objets de The Long Dark. Donc ça va être plutôt sympathique. Donc on va pouvoir faire des fagotins et les utiliser même après notre niveau 3 pour faire des feux. Donc ça, je pense que c'est vraiment intéressant. On va faire ça. On est à 29 kilos. On a peut-être pris trop de viande sur nous. Je sais pas. On verra. De toute façon, on va devoir manger. Aussi, une chose que je voulais vous montrer, c'est par rapport à l'eau. Vous voyez que, il y a des couleurs, en fait. Donc, quand c'est un peu bleu foncé, c'est parce qu'il y a de l'eau, en fait, dans la bouteille. Après, quand on a vu qu'elle était un peu plus claire, c'est que c'est une bouteille vide. Et maintenant, l'eau propre, on voit qu'elle est un peu jaune, verdâtre. Donc, ça aussi, c'est une petite touche assez sympathique. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on ne devrait pas... devrait pas déposer les viandes.
Ouais, c'est vrai qu'on a le charbon et tout, on a encore des livres. Ouais. On va faire ça. Le faitout, on va le garder parce qu'on va s'en servir pour faire du feu là-bas, on va faire de l'eau en fait. Voilà, très bien. On reprendra le livre quand on reviendra. C'est bon, on va aller à la grotte. Donc vous voyez, il y a plein de petites choses en fait qui vont changer comme ça. Et le but en fait des mods, comme j'ai dit, c'est pas pour rendre... Il est plus là le loup, ça va. C'est pas pour rendre la survie plus facile parce qu'on a déjà fait de la survie en intrus, genre sans la customisation en fait du vrai intrus et tout ça. Donc on sait survivre, hein, on sait comment ça fonctionne, on sait jouer, voilà, j'ai envie de dire, on sait jouer. Là, j'ai vraiment envie d'avoir un côté un peu spécial par rapport à cette saison-là. C'est pour ça aussi que je l'ai fait en customisé, avec la nuit infinie. Ah, très bien. Oh, il y a une branche là-bas. Et je pense que ce système-là, avec les mods, vont vraiment bien en fait avec la customisation. C'est-à-dire que ça va rajouter en fait plus d'expérience et plus de choses cool. Ah, donc voilà, vous me direz dans les commentaires un peu ce que vous en pensez. Après, j'ai envie de dire aussi que donc cet épisode, on va beaucoup, je parle beaucoup des mods et je vous explique en fait la différence et ce qui change. Mais après, bien sûr, j'en parlerai plus. J'en parlerai plus du tout. Bien sûr, en commentaire, oui, si jamais vous avez des questions. Mais après, on jouera normalement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'avais vraiment envie de faire une vidéo par rapport à ça. Là aussi, pareil, vous me direz dans les commentaires. Alors, je sais que les gens n'aiment pas trop commenter les vidéos, sauf quand on critique les jeux que vous aimez. Mais dites-moi en fait dans les commentaires ce que vous pensez en fait de la luminosité. Par exemple, encore une fois, ça c'est le jeu sans mode, donc c'est pur noir. Et ça c'est le jeu modé. Alors ça reste encore très sombre, hein, même pour moi, hein, j'avoue. Mais vous me direz si vous avez arrivé en fait à distinguer les murs, les piliers et tout ça, s'il vous plaît. Mais voilà. Après, c'est juste... Tiens, on a du charbon ici. On le prendra après. Encore une fois, c'est juste pour vous montrer. Bien sûr, après, j'utiliserai la lampe, hein, comme d'habitude. Je sortirai la lampe. C'est pas parce que on a un mode pour améliorer la luminosité dans le noir qu'on va rester dans le noir. Hein. C'est juste cette fois-ci, en fait. Mais voilà, il y a plein de choses qui, comme ça qui vont changer. Aussi, on va pouvoir donc enlever les débris donc des bâtiments. On va pouvoir décorer beaucoup plus facilement les bâtiments. Je pense, je crois que je l'ai déjà dit, je pense faire des petites pauses genre entre les épisodes et décorer les bâtiments et vous montrer en gros ce que j'ai fait. Ça pourrait être sympathique, genre avec tous les objets, parce que je sais que dans cette survie, on n'a mis aucun objet genre par terre, parce que la plupart du temps, je décore un peu. Enfin, si vous me suivez, vous le savez très bien, je décore toujours un peu les bâtiments dans lesquels on reste. Genre mettre des objets sur les établis, genre le marteau sur l'établi, les trucs comme ça, la scie sur l'établi, l'eau qui est dans les sur les étagères et tout. Là, ça va être encore plus poussé en fait. Donc je pense que je vais prendre du temps et décorer, bien décorer, et vous montrer après. Donc ça pourrait être sympathique, je pense. Ça sera une belle touche. Honnêtement, je suis vraiment content par rapport à ça. Il y a aussi une chose, je crois que les têtes de massettes maintenant, donc normalement les têtes de massettes sont comptées comme des fagotins, comme des petits bois. Donc je pense qu'elles fonctionnent pour les mettre dans le feu. Elles fonctionnent comme des fagotins en fait. Donc les têtes de massettes, on va devoir les reprendre maintenant. On va devoir continuer à les prendre pour augmenter la chaleur des feux. Mais en tout cas, je vous montrerai ça après. Donc on va aller à Milton. Donc là notre but c'est de récupérer le jerrycan. C'est vraiment la seule chose qu'on ait vraiment besoin. Récupérer, je crois qu'on avait une lampe, une deuxième lampe. Donc on va récupérer le carburant qui est dans la lampe aussi. On va vider la lampe. On va faire plein de petits trucs comme ça. Ah oui, il faut que j'arrête de sprinter parce qu'on a une corde. Et après on rentre tout simplement et ça sera notre petite aventure, notre petite mise à niveau par rapport au mode. Donc ça va être sympathique. Après vous me direz, alors il y a d'autres modes qui sont un peu plus, on va dire, comment dire, qui changent le jeu un peu plus.
Pardon, j'étais en auto-walk. Je suis sûr qu'on peut descendre comme ça. Je suis sûr qu'on n'a pas besoin de la corde. Enfin, bref, pas grave. On va prendre la corde, mais je suis sûr qu'on peut le faire sans la corde. Comment dire, un peu plus rentre dedans, on va dire. Je sais pas à quel mot employer, qui change le jeu un peu plus. C'est-à-dire qu'il va rajouter des vêtements, il va rajouter pas mal de choses comme ça. Alors j'ai décidé de pas en mettre des mods qui rajoutent des vêtements parce que je pense que ça changerait le jeu peut-être un peu trop. Mais pourquoi pas une saison prochaine, genre dès le début, on mettrait des mods qui rajoutent des nouveaux vêtements. Ça pourrait être sympathique. Ça pourrait être sympathique. Mais ça, on verra plus tard. Il y a même, par exemple, des mods qui sont assez sympas, hein, vraiment. Par exemple, vous savez que dans The Long Dark, vous pouvez de temps en temps, genre, on va dire... il y a des champignons là-bas. On va dire ça, par exemple. Rajouter des couches de chaleur, en fait, quand vous dormez. Donc, par exemple, c'est la prairie, là, charmante. La vallée charmante, il y a une grange avec une voiture à l'intérieur. Donc, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est dormir dans la voiture, dans le sac de couchage, dans la voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça vous rajoute la chaleur de la maison, la chaleur de la voiture et la chaleur du sac de couchage. Et il y a des mods comme ça qui vous permettent de crafter, par exemple, une couverture. Et cette couverture, vous allez pouvoir l'utiliser quand vous dormez, en fait, avec le sac de couchage. Donc, c'est une couche en fait de chaleur en plus. J'ai trouvé ça l'idée en fait vraiment cool, vraiment sympathique, mais je pense que ça va rendre la chose un peu peut-être trop simple par rapport au froid, parce que on a un lapin là. Parce que j'avoue qu'on a un petit problème là de chaleur parce qu'on a encore des mauvais vêtements. Mais si jamais on commence à avoir trop de, on va dire, de rajout par rapport au mode, peut-être que ça va rendre la chose un peu trop simple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai préféré ne pas le mettre. Mais vous me direz peut-être dans les commentaires ce que vous en pensez de ce système-là. Mais ça peut être sympa. Je pense que c'est un très bon mode et que ça peut être sympathique. Mais pour le moment, il n'y est pas. Après, qu'est-ce que nous avons d'autre que je voulais rajouter? On a des modes aussi, par exemple, pour sauter. Tout simplement, parce que dans The Long Dark, on ne peut pas sauter. J'ai préféré ne pas le mettre parce que je pense que, encore une fois, ça va un peu détériorer notre aventure. C'est-à-dire que les cartes, en fait, les régions de The Long Dark sont faites en sorte qu'on ne puisse pas sauter. Vous voyez, elles sont craftées, elles sont créées en fait par rapport à ça. Donc je pense que le fait de pouvoir sauter va sûrement pas gâcher les cartes, les régions, mais sûrement les rendre extrêmement simples. Mais bon, je testerai encore le mode de mon côté. Je l'ai pas testé personnellement. Mais voilà, c'est un truc qui existe. Aussi, on a oublié les allumettes, donc on va récupérer les allumettes. Ah oui, on a aussi les bois ici. On a des bouteilles d'eau. Directement prendre les allumettes, très bien. On pourrait faire du feu ici. Non, on va pas faire du feu ici. On va rentrer dans un bâtiment. On va aller se réchauffer dans un bâtiment. On va faire un arrêt à la station service. Elle est juste là. Elle est juste là. Très très bien. Il n'y a pas de loup, ça va. On va dormir dans la station service. Oh, ça sert, ça va. Donc vous voyez, j'ai voulu quand même garder l'authenticité en fait du jeu en lui-même, mais j'avais vraiment envie de rajouter des choses intéressantes par rapport à la survie. Et je pense encore une fois que le fait que ça soit une série customisée, je crois que ça se marie bien en fait avec les mods. Donc ouais, voilà. On va dormir là. Est-ce qu'on a du... Oh. Voilà, on a une lumière ici. Et après à l'intérieur. Ouais, on a un peu de lumière. Oh, on a même ça qui s'allume. J'avais jamais vraiment fait attention. Est-ce qu'on a de l'eau normalement? Ouais, on n'a pas d'eau.
Ouais, on va tout simplement dormir. Alors, attendez, hop. On va finir ça. Très bien. Je crois qu'on est un peu trop lourd, hein, honnêtement. Alors, on verra ça, on verra ça. Voilà, très très bien. On va dormir le plus possible. Après, bien sûr, si jamais il y a d'autres modes en fait qui sortent entre temps, qui sont intéressants, je ferai en sorte de les rajouter, de les montrer, de les expliquer et tout ça. Mais voilà, mais je pense que on devait vraiment faire une petite mise à niveau, mise à jour par rapport au mode et vous expliquer comment il fonctionne. Je pense que c'est intéressant de faire ça. Après, si jamais il y a des mods avec genre des rajouts d'animaux ou de monstres ou j'en sais rien, des trucs comme ça, je vais sauter sur l'occasion honnêtement. Mais pour le moment, il n'y a pas. Pour le moment, ça n'existe pas. Après, qu'est-ce que l'IAD qui va changer? Honnêtement, je crois que c'est les plus gros changements. C'est par rapport au feu. Pouvoir faire du feu avec la lampe et tout ça. Et après, les deux plus gros restent l'eau. Comment l'eau fonctionne, en fait, en général. Et après, bien sûr, le fuel. Comment le fuel fonctionne. Vraiment, vraiment les deux plus gros modes. Non, c'est bon. Vraiment les deux plus gros modes. Et je trouve ça assez intéressant, personnellement. Je vais faire pas un peu moins de bruit. Vous vous rappelez, il y avait des loups là. Ok, on devrait être bon. On devrait être bon. Très bien. Très bien, très bien. Et je pense que niveau aventure, parce que encore une fois, je fais toujours des épisodes où j'essaye... on va dire que je farm rarement dans les épisodes. J'essaye toujours d'aller vers l'avant. Genre nouvelle zone, faire une zone, finir une zone, à chasser. Pas que des lapins. Ah oui, là on a des pots de loup. Vous voyez que là, on arrive à bien distinguer les choses. Par contre, est-ce qu'il y a une... un interrupteur? Ah oui, là... Je le vois pas, c'est trop noir. Ah, très bien. Voilà, on a un peu de lumière. J'essaye toujours de faire les choses, genre de les rendre assez intéressantes. On va prendre ça. Le reste, on laisse. Par contre, je voudrais la lampe. Ok, très très bien. Les rendre intéressantes, les choses. Et là, j'avoue que niveau préparation, en fait... Alors bon, ça, c'est un peu embêtant que quand les choses sont vides, il y a toujours le bruit de l'eau. Mais bon, c'est le bruit, en fait, vanilla de la bouteille d'eau, quoi, en gros. Mais niveau préparation, ça va être cool. Parce que du coup, c'est pas genre, ouais, on y va avec 20 litres d'eau. Puis après, quand on aura fini, on va s'arrêter 5 minutes. On va faire 30 litres d'eau en plus, etc. Non, non. Là, vous avez une gourde à 3 litres. Point barre. Après, vous pouvez en crafter plusieurs, mais la gourde, déjà, en elle-même, elle fait 0,50. Et après, si vous voulez faire plus d'eau, bah, vous pouvez pas, parce que vous avez pas la contenance, en fait. Vous voyez? Donc, je pense que niveau préparation, ça va être vraiment, vraiment cool. En tout cas, on va prendre cette lampe. Donc, vous voyez qu'il y a 1 litre à l'intérieur. Là, nous avons 2,33 litres dans le jerrycan. Donc, on va faire ça. Vider, tout simplement. Et nous avons 3,33 litres dans le jerrycan. Donc la lampe est à 0. On va pouvoir la déposer. Très très bien. Et maintenant nous avons donc notre lampe avec laquelle on a
on est parti. Mais on peut mettre, par exemple, on peut la vider et remplir notre jerrycan complètement si on veut. Donc ça, ça aussi, hein, c'est intéressant. Alors après... Oh, un truc, je crois qu'on avait mis de l'eau dans les réfrigérateurs. Alors on a de la... on a de la nourriture. Oh, je crois que tout a disparu du coup. Ouais, je crois que toute l'eau qu'on avait mis en fait a disparu. Comme j'ai dit, si vous dépassez en fait le litre, le mode va tout détruire en fait. Parce que dans... maintenant ce mode fait en sorte que le 1 litre c'est le maximum. Parce que si vous avez que des containers en fait qui font 1 litre. Sauf bien sûr la... la gourde en pot. Donc voilà. Alors je suis en train de me dire, est-ce qu'on prend un faitout ou pas? On a déjà un faitout sur nous. Hein. On a déjà un faitout. Non, on va pas les prendre ceux-là, parce que ceux-là ils sont très bien ici. Ce qu'on fera, c'est prendre les faitouts de la... peut-être de la cabane du trappeur, à la limite. Nous avons des bois. On va prendre des bois, tiens, j'avais complètement oublié ça. Ouais, peau de loup séchée, c'est très bien. Est-ce qu'on a d'autres choses? Là, on a des allumettes. Non, je pense que c'est très bien comme ça. La 30, c'est très bien comme ça. On va partir, on va partir. Ah non, on va peut-être dormir une heure, le temps de se réchauffer. À la limite. Pas assez fatigué, évidemment. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut dormir une heure maintenant? Non, toujours pas fatigué. J'avais oublié. Qu'elle fatigue jamais, notre madame. Voilà, très bien. Avant de partir, je pense qu'on va essayer de faire un feu, genre, avant de prendre la première corde. Et peut-être vous montrer un peu comment ça fonctionne pour remplir les choses. Enfin, je sais pas encore, je sais pas encore. Parce que pour le moment, en fait, on est bon. On peut tout simplement rentrer à la maison. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi pas juste rentrer tout simplement à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, très bien. Là, on y va. Donc, on a notre jerrycan, notre lampe. Bon, ça, c'est la première qu'on avait, c'est très bien. On a notre jerrycan, on a tout ce qu'on voulait. C'est parti. Voilà, tout simplement pour récupérer un jerrycan. Mais maintenant qui est vraiment très utile. Imaginez-vous qu'on le réutilisé, que le jerrycan aurait disparu. Ah, j'aurais été très très triste. J'aurais été très très triste. Après, je me rappelle plus vraiment des objets qu'on avait laissés, genre dans la ferme par exemple. Quand on reviendra à Milton, comme j'ai dit, quand on sera équipé, qu'on reviendra ici, on refera tout. On refera toute la zone. Mais ça sera pour plus tard. On va s'arrêter à cette maison pour se réchauffer. Après, qu'est-ce qu'on a aussi comme changement? Oui, on peut faire des petites statuettes avec du bois. C'est des petites statuettes en bois, du coup. C'est juste la décoration, honnêtement. On a de la lampe un peu ici. Ouais, la lumière. C'est vraiment juste de la décoration. Est-ce qu'il y a de l'eau dans les toilettes? Non, il n'y a pas de... vous avez vu aussi que... Regardez, je vais vous remontrer. Alors je sais que c'est un peu sombre là, même moi je vois pas grand chose, donc faites pas trop attention. Vous voyez que maintenant vous avez une option en fait pour boire directement quand vous trouvez de l'eau quelque part, donc dans des toilettes par exemple, ou alors dans des bassines, parce que par exemple à l'autoroute côtière, quand vous êtes à la c'est pas une station service, c'est un garage je crois. Vous avez une bassine avec de l'eau à l'intérieur, donc maintenant en fait vous pouvez boire directement depuis la bassine. Pourquoi? Bah, encore une fois, parce que si jamais vous n'avez pas de récipient, vous ne pouvez pas garder l'eau en fait sur vous. Donc le mode est sympa pour ce côté-là, vraiment sympa. Le grippin, le bol, cop aussi, on va pouvoir détruire ça. Paper sur le papier sur le sol, on va pouvoir détruire plein de choses. Je suis en train de me demander qu'est-ce qu'on pourrait faire pour passer le temps. Il faut qu'on je regarde en fait pour me réchauffer tout simplement. Ah donc voilà, il y a plein de petites choses qu'on va pouvoir faire. La décoration va être cool. Honnêtement, je pense que je vais passer un peu trop de temps à décorer.
Vraiment. Oreiller, non, il faut le couteau. On a des livres. C'est juste un livre. Bon, je pense que c'est bon. De toute façon, on va passer après par la station service encore une fois. Voilà, très bien. Très très bien, ça se passe bien. Et pour ceux qui sont curieux, c'est ma seule sauvegarde qui est modée pour le moment. La première, donc la saison d'avant, donc la saison 5, qui est la plus avancée encore une fois, où on a fait toutes les régions, on a le meilleur matos disponible, on a les skills qui sont quasiment au max partout. Donc c'est vraiment la saison la plus avancée en termes de gameplay et de régions. Et on va l'utiliser, et c'est de l'intrus en fait normal, c'est pas customisé. Et on va l'utiliser si jamais il rajoute des régions et les faire vanilla, comme j'ai dit, elle n'est pas modée en fait cette partie. Et je veux la garder comme ça. Et après on aura donc notre saison 6 qui est elle customisée avec Nuit Infinie, mais modée en plus. Je pense que ça peut être sympathique. Si jamais il rajoute avec genre des... Bah pas des DLC mais des mises à jour gratuites et tout ça. Je pense que ça peut être sympathique de pouvoir faire ça en fait. D'avoir vraiment deux expériences différentes sur le même jeu. Je pense que ça peut être vraiment vraiment cool. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur les modes. Après, bien sûr, il y a d'autres petits modes en fait qui vont changer des choses, mais ça va pas vraiment... C'est plutôt du niveau gameplay pour moi, pour vous, ça va pas changer grand-chose. Encore une fois. Ce qui va être le plus gros changement, encore une fois, c'est l'eau et le kérosène, le fuel et tout ça. Les vêtements, ça change pas vraiment... ouais, faire du feu aussi, ça va changer un peu. Après, comme j'ai dit, j'ai pas beaucoup d'objets en plus. J'ai juste les statuettes et le water skin. En parlant de l'eau, il y a aussi des nouvelles bouteilles en fait qui vont apparaître dans le monde. Par contre, elles vont pas apparaître en fait dans les zones qu'on a déjà visitées. Donc ça aussi, c'est un peu un problème. C'est pour ça que je préfère mettre des mods maintenant, parce qu'on n'a pas visité toutes les régions. Parce que en gros, pour ceux qui ne savent pas comment le jeu fonctionne, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans une région... Oups, pardon, mauvais coup de souris. Quand vous rentrez dans une région, le jeu va générer en fait des objets un peu aléatoirement par rapport à votre niveau de difficulté, etc. etc. Et c'est à ce moment-là que les objets apparaissent. Et du coup, si vous rajoutez des mods ou des objets en plus et tout ça dans le jeu... Ben, ils peuvent pas apparaître en fait dans les zones qui ont déjà été chargées, vous voyez ce que je veux dire. Donc personnellement, nous on a fait déjà 2-3 régions, et ces régions ben, elles seront sans ces objets là. Mais les prochaines régions, on aura, j'espère, hein, j'espère qu'on aura assez de chance, on pourra trouver des nouveaux objets. Donc par exemple, je sais qu'il y a des nouvelles bouteilles d'eau qui sont en métal, qui peuvent contenir 750 ml d'eau. Donc ça va être sympathique. Ça va être sympathique. Attendez, là il y a ça. Très bien. Moins 6. Ouais. On va directement partir. Je sais qu'on n'a pas trop froid. On pourrait faire du feu, mais honnêtement, j'ai envie de dire pourquoi faire du feu? Parce qu'on a encore à manger, on a encore de l'eau. On est en pleine forme, on n'a pas besoin d'attendre. Autant se casser, il fait beau. On va rentrer tout simplement. C'est parti. Donc voilà, donc encore une fois, si vous avez des idées pour les mods, ou alors peut-être... bien sûr, encore une fois, tout sera dans la description. Hein, mais si vous voulez que... que je rajoute des choses et tout ça, je ferai un peu un compte rendu des commentaires que je vois et regarder un peu ce que les gens pensent par rapport à ça.
Et avant qu'on aille dans les nouvelles régions, je mettrai des nouveaux modes. Parce qu'encore une fois, voilà, comme j'ai dit, les objets ils apparaîtront seulement si c'est dans une région qu'on n'a pas visitée. Alors après, je suis sûr que je pourrais utiliser d'autres modes et la commande aussi pour me faire apparaître des objets, comme ce que j'ai fait avec la lampe torche par exemple, la lampe de poche. Mais bon, ça serait un peu moins... Ça deviendrait plus une... Comment dire? Une démonstration de mode en fait, ma survie. Et j'ai pas envie que ça devienne ça, c'est pour ça que j'ai fait des vidéos bien à part. Comme j'ai dit, 3 vidéos. Première, comment modder votre jeu. Et les 2 autres, c'était démonstration de 10 modes en tout, en détail. Donc j'ai pas envie de faire ça aussi sur la survie. Je vais pas montrer des modes. Je veux juste avoir une nouvelle expérience en fait de The Long Dark. Et partager cette nouvelle expérience de The Long Dark, surtout. Enfin, on va pas trop sprinter parce qu'on doit prendre une corde. Mais on a froid. On avait fouillé la grotte ou pas? Je me rappelle plus de ça par contre. Non, apparemment non. Je pense qu'on était passé, mais il faisait mauvais. Et du coup, je crois qu'on n'est pas... On n'est pas allé voir. Est-ce qu'il fait chaud à l'intérieur? Ouais, non, on n'est pas allé voir. Est-ce qu'il fait chaud? Non. Ouais, c'est ça. 34.30. Ça va, on va pouvoir prendre la corde sans problème. On a trouvé des allumettes en plus, c'est très bien. J'ai pris le bois. Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être pas dû. Mais bon, elle va pas vraiment se fatiguer. Enfin, je pense pas. On est en train de perdre pas mal de vie là, par contre. J'avoue que... C'est juste pour baisser un peu. Même si c'est pas énorme, let's go. Ok, parfait, parfait. Parfait. On perd beaucoup de vie, mais on va pas avoir de problème de hypothermie. Mais j'avoue que ouais, la vie va être un peu chiante. Alors de toute façon, on va rester au lac mystère pendant 1 ou 2 épisodes. Comme j'ai dit, on va essayer de trouver un élan. Et de faire un peu le tour de faire un peu le tour de la zone. Donc on va pas trop s'exposer au danger, c'est ça que j'ai envie de dire. Mais voilà, les choses vont changer. Et honnêtement, ça me fait plaisir. Les choses vont un peu changer. Et ça me fait très très plaisir. On va arrêter d'en prendre. En tout cas, moi, entre temps, donc quand on aura fini cet épisode, comme j'ai dit, je vais un peu décorer donc la maison où on reste. Donc détruire les choses qui sont en plein milieu, genre les bols, les pots de peinture, la casser, enfin vide, ouvert et tout ça. Donc ça, je vais tout virer.
Je vais tout virer. Et après, je vais décorer les choses. Parce que je sais qu'on a mis énormément d'objets, genre des livres et tout ça, dans les tiroirs. Et moi, je trouve ça aussi chiant, en fait, de laisser les choses dans les tiroirs. Comme, encore une fois, même système qu'avec Fallout 4 à l'époque. J'aime bien décorer. Donc ouais, je voudrais bien décorer. C'est moi ou elle éclaire pas vraiment la lampe? Elle éblouit plus qu'autre chose. Ok, donc je suis désolé, mais il y aura une petite coupure à ce moment-là. J'avais un peu un problème en fait avec la lampe. Je pense que c'est lié au mode et tout ça. Mais maintenant ça fonctionne. C'est que en gros la lampe n'éclairait pas quand je l'ai allumée. Je sais pas pourquoi, peut-être le chargement qui a peut-être un peu merdé. Mais voilà, maintenant ça fonctionne très bien. Donc je sais pas vraiment de quoi j'étais en train de parler. Je me rappelle pas vraiment. Mais ouais. Mais ouais, c'était un peu étrange ce petit glitch. Je vais essayer de vous le montrer quand j'éditerai la vidéo. C'est un peu bizarre. Sans gros, elle donnait pas de lumière, la lampe. Elle donnait pas du tout de lumière. C'est la première fois que j'ai ça. Alors après, bien sûr, évidemment, c'est 100% lié au mode. Hein. C'est juste que peut-être le mode avait mal chargé pendant le temps de chargement. Mais voilà, là, ça fonctionne très bien. Ouais, non, c'est par là. On va prendre le charbon qu'on a récupéré, enfin qu'on a vu quand on est venu. Et après, ouais, comme j'ai dit, on ira chercher un élan. Je ferai de la décoration. Est-ce qu'il y a des pierres là? Non. Enfin, du charbon. Je passerai du temps pour la décoration. On va chercher les lampes. Il faudra faire les outils aussi. Donc couteau, hachette. Donc on va le faire. On va faire ça. Je pense qu'on le fera aussi de la désolation. Enfin, site de désolation. Dans le bateau. Le bateau échoué là. Il y a la forge. Donc je pense qu'on fera ça là. Pourquoi? Bah parce qu'en fait c'est dans une nouvelle zone. Tout simplement. Faut qu'on aille se réchauffer. Tout simplement parce que le site de désolation on l'a pas fait. Donc c'est une nouvelle zone, donc on y va. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment la meilleure forge qui est. Hein. La meilleure forge pour moi reste quand même celle qui est à l'extérieur. Et qui est à Muskegmorn. Je pense que c'est la meilleure. Parce que vu qu'on reste plusieurs heures. Et honnêtement, j'ai envie de. Honnêtement, j'ai envie de faire la forge de Muskegmorn, personnellement. Parce que sinon, le problème, c'est qu'on va avoir le problème de du mal de l'enfermement, tout simplement. Ouais, on va avoir le problème du mal de l'enfermement. On en prend deux. On en laisse un là ou on prend les trois? Deux, je pense que ça suffit. On en a combien à la maison? Un, je crois. Je crois qu'on en a un. Bon, après, de toute façon, je peux revenir là au pire. Mais... ouais. Peut-être qu'on fera pas les outils, ouais, là, aussi de désolation. Peut-être qu'on ira à Muskegmorn. J'ai envie de dire. Oh! Oh! Yes! Oh la vache, ça fait mal aux yeux ça. Yes! Je suis content! Donc pour ceux qui savent pas, donc la lampe torche en fait se charge pendant l'aurore boréale. Donc normalement si je bouge pas, vous voyez que la batterie se charge.
Et après, quand vous l'allumez, donc elle se décharge évidemment. Et après, vous avez le deuxième, la façon élevée en fait, qui va faire peur aux loups et aux ours en fait, qui sont influencés par l'aurore boréale. Donc c'est plutôt cool. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça va être fun d'avoir ça. Vous voyez déjà l'ambiance, elle est cool. J'ai envie de dire que l'ambiance... On a bien pris le livre. Hein. Ouais. J'ai envie de dire que l'ambiance... est pas la meilleure à l'extérieur. Parce que on voit... j'ai tout. Désolé, je regarde beaucoup de fois l'inventaire parce que j'ai l'habitude d'oublier plein de trucs à chaque fois. Hein, vous vous rappelez. Donc on a tout. Je pense que l'ambiance n'est pas la meilleure à l'extérieur parce qu'on voit tout naturellement en fait. On n'a pas vraiment besoin de la lampe, vous voyez. Mais le mieux c'est en intérieur, je pense. Le mieux reste en intérieur. Mais c'est cool. Mais c'est cool d'avoir une lampe torche. Si jamais on rencontre des loups et tout ça, je vais vous montrer un peu la lampe torche, comment elle influence. Mais c'est vraiment pour vous montrer comme ça. Après, je vais pas la surutiliser comme j'ai expliqué. C'est vraiment seulement pour les intérieurs. Oh, on a des bois là-bas, devant. On a la scie sur nous, hein, je crois. Il y a un loup là-bas. Bon, après, on va pas les provoquer. Hein. Je suis pas suicidaire non plus. Je suis pas suicidaire non plus, mais si jamais il y en a un devant. Je préfère rentrer. Hein. Si jamais je peux pas vous montrer comment ça influe sur les... sur les loups et tout ça, c'est pas grave. Hein. Je vais pas y aller non plus. De toute façon, on aura l'occasion de tester ça. Mais genre, la lampe dans le barrage, honnêtement, c'est top. Hein, on dirait un film d'horreur. Hein. Enfin, un jeu d'horreur, pardon. On va un peu accélérer. J'aime pas trop en fait la vie qu'on perd honnêtement. Oh, là tiens. Bloqué par la lampe. C'est pas méga puissant quand même, hein, vous avez vu. En fait, le faisceau va pas assez loin, je crois. Le faisceau, il est trop près, trop proche, en fait. Il est trop à mes pieds. La meilleure défense, ça reste quand même une balle dans la tête, hein. On est d'accord. Hein. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. La meilleure défense reste quand même une balle dans la tête. Oh la vache. Honnêtement, j'ai même eu peur. Hein. J'ai même eu peur, je veux pas dire, mais... j'ai même eu peur qu'il nous fonce dessus, ce con. Alors, on est de retour ici.
Donc du coup, la lumière va être allumée automatiquement, évidemment, comme c'est une aurore boréale. Et elle va grésiller, et du coup, on va plus pouvoir l'allumer ou l'éteindre, en fait. Vous voyez? Ça fait aucun effet, maintenant. Ce qui est normal, évidemment. Voilà, très bien. On avait lu ça, hein, je crois bien. Si des espèces prédatrices étaient introduites au lac Mystère, les populations de poissons locales s'en verraient fortement diminuées. Un suivi sera nécessaire afin de vérifier s'il y a des plans pour introduire ces espèces invasives volontairement. On peut enlever l'ordinateur portable et tout ça. On peut faire ça. Vous voyez que c'est plutôt cool, donc on est arrivé, donc on est rentré, on a tout ça dans notre inventaire, donc très très bien. Alors personnellement, on va déposer les fétous. Très bien. Personnellement, je vais après décorer moi-même et tout ça, genre vider par exemple les placards, je sais que là aussi, ouais, on a pas mal de choses. On a plein de livres, je crois, du coup. Ouais, on a pas mal de livres, donc je vais les entasser, les empiler, tout ça, etc. Ah, tiens, l'aurore boréale était arrêtée. Donc du coup, je ferai ça entre-temps. Mais voilà, ça sera la fin de notre épisode, donc j'espère que vous aurez apprécié. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Par exemple, le moment où on était dans la grotte, est-ce que c'était noir, est-ce que c'était trop noir, est-ce que vous voyez la différence avec mod et sans mod, encore une fois. Vous voyez qu'il y a une différence quand même. Même la couleur, en fait, la teinte est changée. Donc ça, c'est sans mod. Ça, c'est avec mod. Vous voyez que même quand il y a des aurores boréales, c'est un peu, on va dire, amélioré par rapport à notre expérience. Je trouve ça assez intéressant. Sinon, le jeu serait comme ça, en fait, déjà. Alors que l'aurore boréale est encore un peu là, encore un peu présente. Mais vous voyez que c'est directement noir. Mais avec le mod, ça rajoute encore un peu ça rajoute du contenu, quoi, en gros. Ça rajoute une ambiance, voilà, une ambiance. Donc voilà. En tout cas, ce sera tout pour notre petit épisode. Mise à niveau. Épisode mise à jour, mise à niveau. Par rapport à The Long Dark avec les mods. Je vais manger ça. Et on se reverra donc la prochaine fois. Donc comme j'ai dit, la prochaine fois, on fera le tour du lac Mystère. On verra s'il n'y a pas un élan qui se balade. Et dans ces cas-là, bon, on le fera au revolver. On va passer un très mauvais quart d'heure, mais on le fera. Et après, on ira donc à l'autoroute côtière. L'autoroute côtière. Et j'avais envie d'aller donc au site de Désolation pour faire les outils. Mais je vais être honnête, c'est peut-être quand même beaucoup mieux d'aller à Muskegmond. Muskegmond, c'est vrai qu'il y a un ours, il y a des loups partout et tout ça. Mais le fait d'être à l'extérieur est quand même beaucoup plus pratique, en fait, pour crafter les choses. Donc, ouais, je sais pas encore. On se décidera, on se décidera. Mais voilà, ça sera tout pour notre épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi encore une fois dans les commentaires ce que vous en pensez, des mods surtout. Faites attention à vous, portez-vous bien et à la prochaine. Merci encore de regarder. Ciao, ciao.